chirurgien plasticien, donc souvent on ramène ça à la peau, mais en fait c'est n'importe quel tissu, ça peut être la peau, les muscles, l'os, la graisse. Dès qu'il y a un remodelage à faire une perte de substance qu'il faut reconstruire, c'est notre spécialité. Ça peut être à visée esthétique ou ça peut être visée thérapeutique, reconstructrice. Ça peut être la tête, le cou, le thorax, les seins, périnée, n'importe quelle partie du corps. Et donc dans ce sens-là, on a aussi un tropisme pour la chirurgie de la peau, combinaison avec les dermatologues qui sont eux spécialisés dans les diagnostics et les traitements des pathologies cutanées, dans lesquelles il y a une combinaison, une synergie, on va dire, entre les diagnostics et les prises en charge au niveau chirurgical des deux spécialités. Toute lésion qui est suspecte ou que le patient voit apparaître ou qui voit changer, c'est-à-dire que la notion de changement d'une lésion préexistante, c'est important. Il y a finalement deux principales tumeurs cutanées les plus fréquentes, qu'on appelle déjà les carcinomes d'un côté, le basocellulaire et le spinocellulaire. C'est une lésion qui ne se guérit pas avec une croûte, voilà, le patient dit ça me gêne, souvent lié à l'exposition solaire. La deuxième chose, c'est la notion du mélanome. Et il y a une recrudescence importante, effectivement, aussi de mélanome chez la population jeune. Et donc là, il n'y a pas d'événement lié directement à l'accumulation de facteurs de risque comme les carcinomes. Pour ça, ben, voilà, c'est aussi la règle qu'on appelle les ABCDE, changement d'aspect, les bords, les contours, le diamètre, l'évolution. Tout ça fait que dès qu'on a une lésion pigmentée qui apparaît ou qu'on voit se modifier, bah, il faut avoir un avis d'un dermatologue pour être sûr que bah, il n'y a pas quelque chose de suspect. Et alors, si c'est suspect, soit le diagnostic par le dermatologue est évident, soit il faut faire un geste d'exérèse, soit qui est simple, et dans ce cas-là, les dermatologues le font eux-mêmes, soit plus spécialisé pour des régions plus à risque, des zones type le visage, le périnée, le sein, enfin tout ce qui est vraiment à risque aussi d'impact cicatriciel, etc. Donc là, on fait plutôt appel aux chirurgiens plasticiens spécifiquement pour faire ça. Les techniques non chirurgicales, ça qui sont faites par les dermatologues, qui peuvent utiliser maintenant des techniques non-invasives pour des cas très précis. Il y a des crèmes qui existent spécifiques pour les carcinomes. L'autre chose, c'est bah, la chirurgie, la plus souvent, c'est par excision directe avec des marges. Déjà, il nous faut un diagnostic, soit par un dermatologue clinique, et s'il y a besoin, on fait une biopsie pour avoir une réponse d'analyse précise. Sur la notion de prise en charge, il y a des guidelines. On va avoir deux questions à se poser, c'est-à-dire d'une part la localisation, qui va changer beaucoup les choses, la taille de la lésion, auquel on va mettre des marges, c'est-à-dire les marges de sécurité, c'est-à-dire toutes les lésions, toutes les parties des petites cellules qu'on ne voit pas qui sont à distance, mais qu'il faut enlever par sécurité. Et donc, ceci nous donne finalement l'ensemble de l'équation à résoudre, qui va orienter soit vers une prise en charge, et la plupart du temps faite sous local, en ambulatoire, pour des cas plus compliqués ou des personnes plus fragiles. Et ben on va, au cas par cas, voir si on doit aller justement au grand bloc opératoire pour faire justement une anesthésie avec derrière, voir ce qui reste en termes de reconstruction. Donc, quelque part, ce n'est pas l'excision qui guide finalement la prise en charge sous local en ambulatoire ou versus sous anesthésie au bloc opératoire et avec hospitalisation, c'est plus la notion de reconstruction derrière. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont très simples à reconstruire, on va dire, quand c'est en plein milieu du ventre, en plein milieu du dos. Dès que c'est une zone sensible, typiquement tête et cou, où on voit qu'il y a de la reconstruction à faire, où les techniques en jeu vont être plus complexes et qui ne permettent pas de le faire en ambulatoire, là, dans ce cas-là, on a aussi les moyens d'hospitaliser et pour des chirurgies réparatrices qui sont directement associées à la résection du cancer. Quand je fais une chirurgie réparatrice, je laisse toujours d'abord au corps le temps de cicatriser. En général, le corps humain fait les deux tiers, voire trois quarts du travail. Et une fois que le corps a fini d'aboutir à ses capacités de régénération, là, la chirurgie intervient. C'est ça le grand changement, finalement, dans notre époque. Maintenant, donc pour les jeunes générations, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de statique, on dit il y a un trou et on le bouche géométriquement. Ce n'est pas vrai. On laisse le corps travailler. C'est pour ça qu'on a une approche ici qui est très conservatrice aussi en termes de reconstruction et que la plupart du temps, bah, on aboutit à des solutions qui sont les moins morbides pour les patients. Donc, quand vous parlez de parcours de soins, ce n'est pas seulement le geste technique chirurgical, c'est aussi tout ce qui va derrière être le suivi, l'accompagnement et le rationnel spécialisé pour éviter justement aux patients d'avoir des morbidités et donc de combiner et en même temps et un geste curatif et sans morbidité. Alors, le principal défi, c'est toujours de réussir à être dans une balance exacte
entre la quantité de tissu que vous enlevez, c'est-à-dire non seulement la superficie, mais aussi la profondeur, pour enlever toute la lésion et les cellules satellites qui sont cancéreuses. L'autre versant, c'est de ne pas enlever assez, et donc dans ce cas-là, devoir retourner et enlever. Et donc, on est toujours dans une balance comme ça, parce qu'on n'a pas de microscope dans les yeux, où on va justement appliquer des guidelines, des recommandations, en fonction du type de tumeur que c'est, en fonction de la localisation, etc. Donc c'est ça le défi, c'est quelque part, c'est de rester dans le traitement du cancer sans sacrifier trop de tissu au passage. Et là, je reviens sur la notion de détection. Plus c'est pris en charge tôt, plus c'est petit.